du travail. Juste, je vous dis, en fait, je suis rentrée à Mayotte. Enfin, je suis rentrée un peu semi-définitivement. J'étais en train de chercher du travail. Et juste avant de partir, j'avais passé un entretien. Et j'étais en attente de retour vendredi. Donc là, nous sommes lundi. Et je viens d'avoir un mail comme quoi j'étais retenue. Ah, c'est cool. Ah, je suis contente. Je suis à Madagascar jusqu'au 14. Et elle avait dit que ça se pourrait que je commence le 15 si j'étais retenue. Ah, je suis trop contente. On fêtera ça plus tard. Merci, au revoir. Petit récap. La personne m'avait dit de la contacter au téléphone, mais par rapport au plus tout ça, on a dû faire un visio. Et tout s'est confirmé. Donc, je commence le 15. Et le samedi ou dimanche, soit le 18 ou le 19, je pars à La Réunion pour une formation d'une semaine. Voilà, la matinée se passe super bien. Là, je vais profiter encore plus des vacances. Donc là, tout à l'heure, je veux rejoindre mon frère. Tout à l'heure, il a toqué. Il m'a ramené des mangues et des corosol, les makonokono. C'est bon ce truc. Franchement, ici, les fruits locaux, il y en a de partout, de tous les goûts. Même hier, à la plage, on a bu du jus de corosol. Les corosol, j'en mange, oui, mais jamais en jus. Et hier, c'était jus. Donc, du coup, cet après-midi, sûrement, on va aller chercher ma puce de téléphone parce que lui, là, Moussa, il veut que je prenne mon envol. Parce que, mis à part le wifi de l'hôtel, j'ai pas d'autres moyens de communication. Bon, je retourne au montage. Parce que là, vu que je me suis dit que tous les jours, j'allais faire un vlog, j'essaye de faire un gros montage. Et comme ça aussi, j'avance. Parce que filmer une fois par jour pendant 10 jours, il y aura du boulot. Hein. Du coup, j'essaie d'avancer un peu. Donc, je vous laisse. À tout à l'heure. On était censé sortir pour aller chercher à manger et se promener un peu. Il s'est mis à pleuvoir. En soi, c'est pas désagréable. Franchement, il n'y a pas meilleur bruit que le bruit de la pluie. Hein. Regardez cet arbre. C'est du prune de citerre, le sakwa. Ici, il y en a beaucoup, hein, mais j'en ai pas encore mangé. Mais après, on en trouve à Mayotte. Donc, je peux m'en passer. Mais j'adore quand le temps il est comme ça. Enfin, il a cessé de pleuvoir. Je veux pouvoir manger. À manger ce truc, j'ai faim, je veux pas être assasié avec ça. On dirait du Tchemboitam. Là, on est sorti du restaurant, j'ai toujours faim, mais ça va. Donc, là, vu le temps qu'il fait, là, on dirait qu'il va pleuvoir. Et là, on est en route pour aller à Double Clic. Il veut regarder un JBL, les enceintes JBL. Il ne sait plus où il va. Le fameux magasin Double Clic. Il pensait connaître le magasin, mais pas du tout. Du coup, on traîne, mais bon, c'est en se perdant qu'on découvre de belles choses. T'es sûr que c'est là-bas, Aou? En tout cas, c'était marqué 3 mètres. Du coup, on refait demi-tour. On va de l'autre côté de la route pour voir si on retrouve le magasin Double Clic. Mais le pire, c'est qu'il y a un panneau et c'est affiché 3 mètres. Sauf que là, on a marché plus de 3 mètres. Mais bon, on trouvera.
Donc là, on fait une petite balade nocturne. On va chercher à manger, mais ça, cette fois-ci, ça sera de la grillade, du canard grillé. Là, il faut choisir les morceaux qu'on veut, et après, ça va partir à la grillade. C'est vrai, on est vraiment chez la maman Brochetti là. Du coup, on prend quel morceau? C'est moi qui choisis. Non, bismillah. Otfiri. Otfiri. Oh. De quoi mais à où tu ringas tu? De was? Non tu ringas aussi à Zouzine. Vu qu'il n'a pas Zouzine, il y a rien dessus. Comme ta nyama. Tant tu ringas bien. Je prends ça. Quand je disais que si on dirait les mamas Brochetti, regardez. C'est marqué quoi là-bas, Moussa? Voilà. Ouais, c'est marqué. Maman Mbo les brochettes. Eh ben, on va pouvoir manger. On mange avec quoi? Manioc. Du manioc. C'est bon? C'est bon! On a marché un peu histoire de digérer le repas, les brochettes, et après on a pris le bajaji et on est rentré. Bah, cette journée a été journée plus maison. J'ai fait un peu de montage, après il y a eu l'embauche, et après il a plu toute l'après-midi. On est sorti qu'à partir de 17h. On a mangé et puis on a traîné. On n'était pas du tout rassasié avec les crabes. Et du coup, on est parti au bord. Et on s'est fait à manger et puis bah, on est rentré à l'hôtel. J'espère tout de même que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous aurez passé un bon moment en la regardant. Donc, je vous dis à demain pour une nouvelle épisode.